Nous allons parler du pilotage des services écosystémiques, qui est quelque chose d'important puisque c'est au centre de l'ingénierie écologique. Alors un des points majeurs est que ce pilotage des services écosystémiques doit reposer sur une vision systémique, donc une vision scientifique. De ces services. Pourquoi ben, en fait, dans un écosystème, toutes les composantes et les processus sont liés entre eux. Ça veut dire que quand vous modifiez un service, vous allez modifier d'autres services. Et donc piloter des services écosystémiques, c'est quoi C'est manipuler des interactions. Donc pour répondre à la question comment piloter ces services et en particulier comment piloter plusieurs services, donc des multiservices, deux réponses importantes. Il faut expliciter la complexité qui est absolument inévitable, complexité d'écosystèmes qui sont diversifiés, mais également des composantes de ces écosystèmes et des services qui sont fournis par ces composantes, et en particulier certains services qui sont parfois ignorés. Un bon exemple, c'est le sol. À part pour les agroécosystèmes, le sol est très souvent ignoré, alors que les services associés au sol, stockage, déstockage de carbone sont importants. Et puis donc, comme manipuler des services, c'est absolument aventureux. Euh, sur quel bouton appuyer finalement pour piloter ces services Eh bien, il faut identifier les seuils et compromis entre services entre eux, mais également entre services et disservice, donc quelque chose qui est négatif. Un bon exemple sont les arbres en ville. Euh, planter des arbres en ville apporte des services comme le rafraîchissement, mais également potentiellement des disservices. Ces arbres en ville peuvent augmenter les allergies au pollen, par exemple. Et donc, regardez ces seuils, regardez ces compromis, avec un but ultime qui est d'essayer de fournir des indicateurs pertinents de la multifonctionnalité. Alors, sur le premier point, différents composants donnent différents services. Ici, vous avez un exemple sur euh, les écosystèmes urbains, qui sont des exemples que je vais prendre euh, aussi par la suite. Euh, des chercheurs ont regardé dans la ville de Stockholm, en Suède, euh, différents écosystèmes, vous avez des arbres de rue par exemple, des forêts urbaines ou des zones humides, et quels services ils pouvaient rendre, comme la qualité de l'air, la réduction du bruit ou euh, le drainage des eaux de pluie. Et ces chercheurs ont montré finalement que ces différents types d'écosystèmes ne fournissent pas les mêmes potentiels de services. On peut noter par exemple que les ruisseaux rendent peu de services alors que les zones humides rendent beaucoup de services. Cela est à mettre en lumière également avec la conservation des zones humides, qui est en particulier une priorité européenne. On peut noter également que le service écosystémique qui est le traitement des eaux usées va être rendu finalement uniquement par ces zones humides. Donc si l'on veut piloter vers ce service, on devra intégrer des zones humides dans le tissu urbain. Donc finalement, lesquelles choisir est-ce qu'on prend seulement les zones humides parce qu'elles rendent beaucoup de services Mais également, est-ce qu'on peut vouloir panacher entre ces différents écosystèmes Donc ce sont des choses qui ne sont pas simples. Le deuxième point est sur les seuils et compromis donc, entre services et disservices. Vous avez en bas un deuxième exemple d'analyse de, sur, à gauche, les services écosystémiques et puis à droite, les disservices. Et les chercheurs ont regardé ces services qui se focalisaient autour des cycles biogéochimiques et ils ont remarqué en particulier que l'amplitude sur laquelle on pouvait jouer pouvait dépendre des services. Elle peut être faible, elle peut être forte, mais également le niveau d'incertitude de la connaissance scientifique eh bien, peut être faible, mais également... Euh, important, c'est ce que je vous ai mis en encadré, et en particulier les émissions de gaz à effet de serre qui sont à la fois des services et des disservices. Par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre euh, qui sont à la fois en service et en disservice, on peut noter euh, que le niveau d'incertitude est fort et donc cela appelle à plus euh, d'études scientifiques pour analyser un petit peu euh, à quel niveau elles peuvent jouer. Je vais finir avec un exemple appliqué sur les toitures végétalisées. Vous avez ici une photo. D'une expérimentation sur des toits d'immeubles dans le 19e arrondissement pour un projet financé par la Caisse des dépôts et consignations biodiversité et une thèse qui s'est finie en 2016. Donc, le but de ces manipulations, était de se poser la question quel était le meilleur compromis entre les services rendus par les toits verts, mais également en termes de prix financiers. Donc, on a testé plusieurs choses hein, qui se voient sur la photo différents niveaux de diversité végétale, différents niveaux de profondeur de sol, mais également différents types de sols, des sols naturels, mais également des sols artificiels, qui sont des substrats finalement vendus par les entreprises pour les toitures végétalisées. Donc, le premier exemple de résultat est ici sur des services de régulation classique la dépollution de l'air et des eaux, euh, la rétention de l'eau lors des fortes pluies et puis également le rafraîchissement de l'air. Euh, vous avez sur des figures en blanc le sol naturel, en noir le sol artificiel et à différentes profondeurs. Eh bien, au final, on s'aperçoit que euh, ben, les services vont réagir différemment à ces différents niveaux de configuration. À gauche, on voit que la biomasse des plantes est maximale sur un sol artificiel profond, ce qui est très bien finalement pour le long terme de la toiture végétalisée. Au milieu, la rétention de l'eau est minimale sur un sol naturel peu profond, mais à droite, à l'inverse, le potentiel de rafraîchissement est maximal sur un sol naturel peu profond. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire finalement sur la toit verte si l'on veut mettre en avant un service écosystémique On va choisir une configuration. Si l'on veut plusieurs services écosystémiques, si l'on veut plusieurs services écosystémiques, il faudra trouver finalement, c'est ce que j'ai mis en bas, un compromis, par exemple entre production et rafraîchissement, et ce sera quelque chose qui ne sera pas forcément évident. Le dernier exemple est sur le service de pollinisation. En regardant deux plantes, centaurée et lotier, vous voyez sur la figure du haut que suivant la profondeur, nous n'aurons pas le même nombre de fleurs. Cependant, la réponse finalement des pollinisateurs et des différentes classes de pollinisateurs va être différente. De gauche à droite, on a les bourdons, les abeilles solitaires, puis les abeilles domestiques. Et finalement, euh, la réaction de ces différentes classes de pollinisateurs va à nouveau ici dépendre des différentes configurations et traitements. Et donc on voit que c'est là également complexe si on veut trouver un compromis. En conclusion, je dirais que... Euh, Jouer sur les services écosystémiques n'est pas quelque chose qui est évident, surtout si l'on veut adresser un plusieurs services, un bouquet de services. Et donc avant de répondre de façon nette à ces questionnements, eh bien, il faudra encore beaucoup d'études, euh, en particulier sur les services écosystémiques très fonctionnels et liés au cycle biogéochimique.